Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voudrais savoir si ma question c'est, je voudrais savoir si Aaron va ressusciter. Aaron? Aaron, oui. Bien sûr, Aaron sera bien sûr ressuscité, tout à fait. Et en hébreu, lorsque Dieu dit aux gens qui mouraient, notamment à ses serviteurs, avant de mourir, lorsqu'il leur disait qu'ils allaient être recueillis auprès de leur père, et Dieu prévoyait par là, bien sûr, la résurrection. Voilà, bien sûr, il sera ressuscité comme tout le monde, comme tout le monde. Les uns seront ressuscités pour la vie, les autres le seront pour la condamnation, bien sûr. Merci, que Dieu soit béni. Au revoir. Et d'ailleurs, on va prendre un passage pour la sœur, un passage parce qu'on veut répondre toujours avec la parole à l'appui. Et nous sommes dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Et voilà. Alors, nous sommes, on va descendre au verset 3. Voilà, et 2, 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour l'infamie éternelle. Voilà. Donc, là, on nous parle ici de deux types de personnes qui seront ressuscitées. Le premier, ce sont les croyants en Yeshua, en Dieu. Et puis, le deuxième type de personnes qui seront ressuscitées, ben ce sont les impies. Voilà. Voilà. Et le Seigneur, dans Jean, le chapitre 5, il confirme cela. Jean, chapitre 5, merci Seigneur, pour ta parole qui nous fait du bien, qui nous guérit. Et verset 25. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà. Donc, voilà, que Dieu soit béni. Et puis au verset 28, ne soyez pas étonnés de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la condamnation. Donc Jésus confirme Daniel 12. Voilà. Que Dieu soit béni.